Ce lundi 2 septembre 2024, sur Instagram, Mélanie Gonzalez a fait d'étonnantes confidences dans une story. Enceinte de son 9e enfant, alors que la date du terme approche, elle a avoué espérer ne pas accoucher ces prochaines heures, et ce pour une bonne raison. Mélanie Gonzalez et son mari font partie des familles emblématiques de l'émission Famille Nombreuse, La Vie en XXL, où ils partagent leur quotidien avec leurs 8 enfants. Leur histoire a marqué les esprits, notamment en raison des épreuves particulièrement douloureuses qu'ils ont traversées. En juillet 2023, Mélanie a annoncé avec tristesse avoir vécu une fausse couche. Cette perte n'était pas la première pour le couple, qui avait déjà traversé cette épreuve douloureuse à 2 reprises auparavant. Mélanie avait confié à ses abonnés la difficulté de ces moments. Il y a quelques semaines, on a appris que j'étais enceinte. On était sur la réserve car j'avais déjà fait 2 grossesses arrêtées, il y a 9 mois. Il y a quelques jours, j'avais des douleurs au ventre et on a appris qu'il y en avait peut-être 2. Et le lendemain, j'ai appris que j'en avais perdu un, puis le deuxième. Il ne faut pas que j'accouche aujourd'hui. Malgré cette douleur, la famille Gonzalez a trouvé la force de se tourner vers l'avenir. En mars dernier, ils ont annoncé avec joie que Mélanie était de nouveau enceinte. Après une année 2023 très particulière, mais nous devions passer par là. Notre livre continue à s'écrire avec des belles pages en couleur puisqu'un petit bébé d'amour tant attendu va arriver, ont-ils partagé dans une vidéo émouvante avec leurs abonnés. Depuis, la maman partage les bonnes nouvelles comme le sexe de son 9e enfant, mais aussi les inquiétudes qui peuvent la traverser. Et ce lundi 2 septembre 2024, date de rentrée scolaire, elle cesse de confier à ses abonnés sur Instagram. Mélanie a fait une surprenante annonce. Elle espère ne pas accoucher dans les prochaines heures pour une raison bien précise. Face caméra, en story, elle explique. Pour la rentrée, tout se passe bien, de mon côté, toujours au bureau. Bébé toujours au chaud, lance-t-elle en filmant son ventre bien arrondi. Puis elle cesse de justifier sur pourquoi il ne faut pas qu'elle accouche aujourd'hui, parce que Franck part sur Bordeaux et ne revient que demain en fin d'après-midi. Autre raison pour ne pas accoucher ce mardi 3 septembre, c'est l'anniversaire de Marceau donc chacun sa journée, s'amuse-t-elle en croisant les doigts, avant de reconnaître que ce sera à la future princesse de choisir son jour de naissance.